Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nail art de la Saint-Valentin inspiré par cette illustration trouvée sur Pinterest. Le lien de l'image est dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Je commence comme toujours par appliquer de la base sur tous mes ongles pour les protéger des pigments du vernis. Puis j'applique deux couches de vernis rose clair avec la première couche bien fine que je laisse sécher 5 minutes et la deuxième couche plus épaisse que je laisse sécher 10 minutes. Après, j'applique du top coat mat sur tous mes ongles pour que la peinture acrylique accroche mieux par la suite et je laisse mes ongles sécher pendant quelques heures. On passe au motif sur mon majeur, donc on va dessiner un morpion de la Saint-Valentin et je commence par écrire You Won, qui veut dire en français tu as gagné, en haut de mon ongle avec mon pinceau fin et de la peinture acrylique rouge. Comme toujours pour faire de fines lignes, travaillez avec de la peinture diluée et avec la pointe de votre pinceau. En bas de mon ongle, j'écris My Heart, qui signifie mon cœur. Après, en plein milieu de mon ongle, je dessine un petit cœur rouge. Avec un pinceau liner, je trace une ligne horizontale au-dessus et en dessous de ce cœur pour commencer à faire la grille du morpion. Puis je trace une ligne à gauche et une autre à droite du cœur pour à la fin former une grille de 9 carrés. Je remplis le morpion en dessinant deux autres cœurs que je dispose en diagonale dans la continuité du cœur central pour faire une ligne gagnante. Sur mes autres ongles, j'ai tout simplement dessiné un petit cœur rouge sur le haut de chaque ongle. Et je dessine des croix dans certains carrés pour remplir un peu plus la grille. Une fois que tout est bien sec, j'applique une bonne couche de top coat que j'étire du bout du pinceau pour ne pas faire baver le nail art. Je n'oublie pas d'en appliquer sur la tranche de l'ongle pour prolonger la tenue de la manucure. Et voilà le résultat final, j'espère que ce nail art vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter et partager cette vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine, bye!